Ignacio Coquiere, 1-1 contre FC Sarin. Quel est le sentiment? Le sentiment, c'est qu'à mon avis, on a pris un bon point contre une bonne équipe qui vise de jouer les playoffs. Et je pense qu'on a un point mérité et je suis content pour l'équipe. Oui. Première mi-temps était plus ou moins équilibré, sans trop d'occasions. Deuxième mi-temps était pour Dender. Si, on savait que c'était un match fermé contre une bonne équipe, qu'ils ont essayé de jouer football. On savait aussi qu'en deuxième mi-temps, on aurait eu les occasions. À la fin, c'était 1-1. Peut-être on a eu aussi les occasions pour gagner. On n'est pas arrivé à finaliser les autres, mais je suis content de le point qu'on a pris. Oui, effectivement, les occasions étaient déjà là. Hein. Deux occasions pour René Sterckx. Alors, toi, tu as marqué ton 11e but déjà. Oui, non, je suis content. Je répète, si on va jouer tous les prochains matchs, il nous reste 6 matchs à la fin. 6 matchs importants. Si on va aborder tous les matchs comme ça, on n'aura pas beaucoup de problèmes. Oui. Tout à l'heure, contre le journaliste, tu disais encore 3 matchs à la maison, 7 sur 9. C'est ambitieux. Si. Non, je disais que les derniers 3 matchs à la maison, on vient de faire 7 sur 9. 2 victoires et un match nul. Et on a encore 2 matchs. Mais si on continue à jouer comme ça, on n'aura pas de problème. Ok, donc avec cette prestation, effectivement, c'était nécessaire après la défaite de la semaine passée. Bien sûr, ça c'est un autre signe de maturité de l'équipe. Parce qu'après la prestation négative des patrons, on pouvait aussi avoir une réaction peut-être négative, mais on arrivait à réagir comme une vraie équipe. Et on a fait une très bonne prestation, ça veut dire chapeau à l'équipe. Donc tu es sûr et certain que Dender va se sauver? Je suis persuadé que Dender se va sauver. Et si on va jouer comme ça, il n'y aura pas de doute. Ok, je l'espère avec toi. Félicitations avec ton 11e but, Ignacio. Et il y en a peut-être encore d'autres qui nous attendent. J'espère. Merci. Merci. Ja, heel in het kort even wat Ignacio wist te vertellen. Hij was heel opgetogen over de wedstrijd tegen een sterk Sarin. Een Sarin dat kwam voetballen. Hij feliciteert de tegenstrever daarmee ook. Inderdaad, Dender was tweede helft misschien wel beter. Creëerde de betere kansen. Die werden spijtig genoeg niet benut. Maar in elk geval, als Dender op dit niveau blijft verder spelen, dan ziet hij er geen enkel probleem in. Dender zal zich redden. Zal de volgende wedstrijden nog wel de nodige punten pakken. En voilà, dit optimisme is er bij Ignacio Coquiere. We hopen dat hij gelijk krijgt.